Alors, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, Asiana, ce soir, dis-moi un peu, on est où aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Dans une boutique pour enfants, pour acheter les habits pour enfants. Et le truc, c'est que comment est-ce que tu as découvert d'abord même cette boutique-là? Pour avoir un peu nous faire l'historique. Comment tu découvres cette boutique en fait? La boutique, c'est la première fois qu'on vient ici. Mm-hmm. On avait un rendez-vous à la banque. Mm-hmm. Et la banquière qui nous a reçus. Et on commençait à parler d'enfants. C'est là où elle m'a dit, oh, moi je parlais, je voulais acheter les habits des enfants. Quoi. C'est là où elle m'a dit, oh, elle a une boutique, c'est une banquière. Hein? Uh-huh. Elle a une boutique, elle connaît une boutique des enfants là où elle est pas. C'est là-bas qu'elle achète son nom. Uh-huh. Parce qu'elle a deux filles. Uh-huh. Je lui ai demandé de me donner le nom, elle m'a donné le nom de la boutique. Et aujourd'hui, nous sommes à la boutique. Là, il y a les choses des enfants. Ah, ok. Prendre les choses de ma fille là. Uh-huh. De son okay. frère aussi. Très bien, très okay. bien. Alors le truc c'est que quand elle te parle de l'endroit, parce que bien évidemment le truc c'est que c'est un endroit là où on vend les bébés, on vend les cheveux des enfants, mais de seconde main. Le truc c'est que quand elle te dit ça la première fois, comment est-ce que tu te sens en fait? Moi j'étais dépassée parce que moi je dis une banquière parce que y a les gens ici qui aiment trop les gros mots. Uh-huh. Banquière, moi j'ai dit, hey, si une banquière vient ici, uh-huh. moi, ancienne, je sais qu'il faut que je vienne. Et me voilà aujourd'hui ici. Mm-hmm. Exactement, exactement. Exact. Alors, mais le truc, c'est que la plupart du temps, faut d'abord, comme tu disais, on va refaire les choses dans leur contexte. Le truc, c'est que c'est une banquière qui te réfère dans un endroit comme ça. Mm-hmm. Et le truc, c'est que, en fait, en principe, c'est pas ce genre de conseil qu'on peut écouter d'une banquière en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire quand elle te raconte ça, est-ce que toi tu n'es pas étonné surpris que tu travailles dans une banque, mais c'est toi qui me parles de des choses assez moins chères comme ça là. Ça n'a pas fait tic un peu dans ta tête? Ça m'a fait tic parce que elle-même d'abord elle m'a dit oh, elle est moins chère. Elle dit que non maman, tu n'es pas moins chère, tu connais juste comment dépenser ton argent. On n'est pas obligé d'aller acheter les choses. Mm-hmm. Plus cher pour mm-hmm. je sais pas être beau, il y a pour tout le monde ici, hein. Mm-hmm. Ici là c'est les $3, ça là si tu vas dans une boutique où c'est pas une maison, un truc de deuxième, de on dit quoi, de seconde main, de deuxième main, mm-hmm. Mm-hmm. ça te fait les $10, les $20, mais ici c'est $3. Ah. Donc tu achètes, tu mm-hmm. laves, tu repasses, you're good to go. Yeah, exactement. Alors, mais bien évidemment, le truc c'est que moi j'ai quand même envie d'attirer ton attention un peu sur quelque chose. La réalité c'est que nous les Africains, quand on dit qu'on vit, on vient s'installer aux États-Unis, qu'on vit aux États-Unis, ça va un peu faire bizarre de dire que non, mais comment tu habites aux États-Unis et tu viens, parce que là on va appeler, disons ça comme ça, ça sont les friperies de chez nous au pays en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens vont voir ça, en fait? Parce que non, tu vis aux États-Unis, mais tu fais les achats dans les friperies. Comment ça? Quand tu dis mes friperies, c'est même pas comme, je vois même pas, c'est comme les friperies du pays. Uh-huh. Les habits qui sont bien, vous pouvez voir, c'est pas vraiment... Et puis, quand j'ai vu, uh-huh. eux, dans la boutique, ils font deux choses. Uh-huh. Ils vendent les habits et aussi les gens qui ont... les habits de leurs enfants, mm-hmm. Qui sont encore bien et que les enfants ne portent plus, mm-hmm. tu peux ramener ça ici et eux ils choisissent les bons quoi. Donc c'est ce qu'ils font. Eux-mêmes ils vont d'abord, mm-hmm. et puis après, d'autres aussi qui en ont à la maison, mm-hmm. qui sont encore bien que tu n'utilises pas, tu ramènes ça ici. Mm-hmm. Okay. Yeah. Et la chose aussi intéressante que j'ai envie de souligner, c'est que la majorité des personnes qui sont là ici, hein, ce sont des blancs. Ça veut dire que ce sont les gens qu'on a trouvés ici qui sont en train de faire les achats. Parce que le truc, c'est que ça va être un peu bizarre de penser du genre que non, mais comment est-ce que toi tu viens faire les courses ici? Non, non, non. La réalité, c'est que voilà, en fait, les gens qui comprennent comment est-ce qu'on gère l'argent, voilà là où ils font les achats. Ce serait un cliché de penser en fait que
les gens font les achats dans les endroits forcément les plus moins, les plus chers. En fait, la réalité, c'est que quand tu commences à comprendre comment est-ce que l'argent fonctionne, que tu ne joues plus avec ton argent, en fait. C'est là où tu commences à comprendre comment est-ce que l'argent fonctionne, que tu ne joues plus avec ton argent, en fait. Et le truc, c'est ça, en fait. C'est vraiment le but de ce petit vlog-là. Donc voilà, tu vois la Tiana là-bas sur le côté. Elle est en train de se régaler en ce qui concerne les achats à petit prix, en fait. Mm-hmm. Donc. Ça fait du bien de mixer aussi. Mm-hmm. Tu n'es pas toujours obligé d'acheter les choses qui sont chères. Et parfois, c'est les choses qui ne sont pas trop chères. Mm-hmm. C'est aussi les bonnes choses. Donc, depuis que moi je vois les choses qui sont bien. Donc, yeah. Yeah, parfois, il faut savoir économiser aussi. Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir là-bas, partout là-bas, ce sont les blancs qui sont là. Donc, la réalité, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas penser que tu es peut-être diminué si c'est toi qui fais les courses ici. Ou bien peut-être que tu vas penser que non, c'est pas un bon endroit. Et le nom, voilà le nom du store ici, pour éviter la publicité. Mais ça s'appelle B2B. Donc, c'est le nom du magasin. Si tu es aux États-Unis et que tu veux acheter des choses moins chères, voilà un endroit là où tu peux aller, en fait. Là où tu peux clairement arriver à pouvoir acheter tes choses. Voilà. Donc, les amis. Alors, Aïtiana, est-ce que tu as un mot de la fin pour sortir de la vidéo? Il faut mixer les choses. Tu n'es pas toujours obligé d'aller acheter pour 100 dollars. Tu peux toujours aussi aller acheter là où... dépenser moins et que c'est bien, c'est joli. Okay. Donc c'est ça, les amis. C'était Asiana qui vous donnait un petit conseil en ce qui concerne l'achat des enfants, des bébés, des choses. Donc voilà quoi, c'était un peu ça. Le store, c'est là. Je vais faire une prise devant le store également pour que vous voyez un peu. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous inspire cette vidéo, en fait? La réalité, c'est qu'il faut apprendre à gérer son argent. Et apprendre à gérer son argent, c'est aussi savoir comment gérer ses dépenses. Donc, il fallait qu'on vous montre ça, afin que vous aussi, ça puisse pour quelque part vous inspirer. Voilà le store ici, là, comme je disais. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Laissez un like, laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Et voilà quoi, dites ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Et si c'est un concept qui vous intéresse, si c'est un concept qui vous intéresse. Les enfants de 0 à 9 mois. Ah ça, voilà. C'est joli. Voilà. Donc, si c'est un concept qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser en commentaire des messages afin que davantage on vous crée du contenu comme ça, là où on vous donne des astuces, là où vous pouvez acheter des choses moins chères et à bon prix et de bonne qualité. Donc. Sur ce, on se dit à la prochaine.